C'est parti pour cette huitième et dernière épreuve de la journée. 1600 mètres à parcourir. Bon départ, Crushing Force. On retrouve Grey Again, Eagle's Vision, Flowerscape qui va se mettre à l'extérieur de Grey Again. Ensuite, Samen Siberian Husky, Lead Singer qui évolue en sixième position, Dream Forest. Et à l'arrière, Mr. Green Street, Crushing Force, donc que Dinesh Soufol tente de ramener. Crushing Force avec une demi-longueur d'avance sur Flowerscape, Grey Again à suivre sur les barres en troisième position. Flowerscape va se mettre devant Grey Again maintenant sur les barres. Eagles Vision à l'extérieur, Siberian Husky. Grey Again finalement est cinquième, Lead Singer. Ensuite, Dream Forest et Mr. Green Street. Les choux entament la descente. 800 mètres à parcourir pour Crushing Force devant Eagles Vision. Flowerscape bien placé sous la montre d'Aliocène en troisième position. Siberian Husky évolue en dehors de Grey Again, Lead Singer. Dream Forest qui va attendre tranquillement son heure. En tout cas, Mr. Green Street à la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée. Avec Eagles Vision qui talonne, Crushing Force qui est déjà sous la cravache, Flowerscape est lancé, Grey Gain, attention, il va chercher l'ouverture, Siberian Husky, Dream Forest, lui aussi sera dangereux, il va prendre le passage à l'intérieur, Lead Singer à l'extérieur, en pleine ligne droite avec Eagles Vision, Grey Gain, Dream Forest, Flowerscape à l'extérieur est lancé, Dream Forest avec Grey Gain, Mr. Green Street a trouvé également le passage, Grey Gain avec Dream Forest, Mr. Green Street, Dream Forest qui va aller s'imposer devant Grey Gain et Mr. Green Street. Dream Forest monté par Abhishek Sonaram, le numéro 1. Doublé pour Sonaram et l'écurie Pritam Debi. Là, je soulignais avant le départ de cette épreuve, ce Dream Forest qui a couru au plus haut niveau se retrouve en 0,25 où il se sent très confortable. Là, il a eu un bon parcours. Comme c'est un excellent finisseur, il trouve l'ouverture donc tranquillement, en pleine ligne droite, et il accélère superbement bien. Très souvent, il a eu quelques problèmes en ligne droite pour se frayer le passage voulu, mais pas cet après-midi. Et du progrès également noté chez le gris Grey Again qui s'incline devant Dream Forest ici. Belle conclusion.